Pour ce focus, eh bien, nous allons accueillir notre premier invité de la soirée, champion d'Afrique avec les éléphants en 1992. Il est également connu pour avoir fait les beaux jours de la JOCR, reconverti dans plusieurs secteurs d'activité. Il organise depuis quelques années Foot Music Tour, une activité socio-sportive. Recevons dans ce focus Monsieur Didier Otokoré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Otokoré. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. C'est un plaisir partagé, oui. Bon, comment allez-vous déjà? Bien, je vais bien. Depuis la dernière fois? Non, ça va. Ça va? Oui, ça va. D'accord, très bien. Eh ben, je vous présente la team de ce soir, hein, Balo, Ivoris. Bonsoir. Voilà, je sais que vous êtes toujours content de voir nos internationaux, nos ex-internationaux, ça va? Oui, ça va. Vous arrivez à maintenir vos émotions? Bien sûr. À contenir vos émotions? Bien sûr. D'accord, merci. Alors Didier Otokoré, après une année 2020, bon, on peut dire d'inactivité hein, à cause de la crise sanitaire, vous préparez Foot Music Tour 2021. Bon, vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement? Oh, c'est un événement socio-sportif et culturel. Mm-hmm. Je suis accompagné par des grandes sociétés de la place, mm-hmm. où on réhabilite des écoles, j'organise des tournois de football, je détecte aussi des jeunes, et puis derrière on finit avec de la musique, comme tout bon Ivoirien. C'est voilà. Important. Voilà. C'est très important. Alors, vous réhabilitez des écoles primaires. Pourquoi avoir décidé de faire justement ce clin d'œil à l'éducation? Parce qu'on est tous passés par là, par l'école, heureusement d'ailleurs. Donc j'ai fait un constat qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, on les appelle ce n'est plus les écoles des écoles qui ont un peu plus de 45 ans. Mmh. Aujourd'hui, c'est plutôt des groupes scolaires. Et dans les villages au fond, au loin, loin là-bas, il y a encore des écoles de 6 classes qui ont entre 45 et 50, voire 60 ans, et qui sont délaissées. C'est ceux-là qu'on va réhabiliter. Mm-hmm. D'accord. Il y a un constat quand même qui est fait. D'abord, je voulais féliciter l'invité pour son initiative, mais il y a un constat qui est fait. Nos anciens éléphants, depuis quelques temps, se tournent vers le parrainage ou l'organisation de certains événements sportifs. J'en veux pour preuve, par exemple, Ablaye Traoré Ben Badia avec sa caravane foot. On a aussi, par exemple, un Kalou Bonaventure qui est le parrain du Mondialito, sans oublier vous avec votre tournoi. Qu'est-ce qui fait courir autant nos anciens champions à parrainer ou à l'organisation de certains événements sportifs? C'est quelque chose qui est naturel en fait. Mmh. On est des footballeurs, c'est le football qui nous a fait. Mmh. Donc si on ne fait pas de football, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est tout naturellement qu'on fait des tournois où on s'occupe des initiatives sportives, surtout pour le football. Mmh. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance de détecter il y a 3 ans un jeune, Adimoko, qui serait peut-être l'un des meilleurs joueurs de la D2. Mmh. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Cheikh Camara, mmh. le milieu de terrain d'Hélice. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça permet à des jeunes de sortir de leur environnement aussi. Mmh. Voilà. Alors Didier Otokoré, vous en êtes à quelle édition cette année? Là, ça va être la 4e édition. Ok. Vous avez fait un lien entre l'éducation et le football. On constate très souvent, notamment en Côte d'Ivoire, qu'il y a des jeunes qui refusent, qui veulent délaisser les bancs parce qu'ils estiment que c'est une perte de temps et que ce temps-là, ils peuvent le consacrer entièrement au football. Est-ce que c'est ce message-là que vous voulez véhiculer? Est-ce que c'est pour dire à cette jeunesse-là que ça peut aller de pair, en fait? En tout cas, c'est véritablement ce message que je veux véhiculer parce que les deux vont de pair. Et les deux sont complètement... Ils ne sont pas dissociés, en fait. Donc, ce serait mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents. Les parents aussi sont dedans, hein. Ils sont fautifs. Ils se font avoir par les enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont 16 ans, qui ont peut-être même le bac, et qui veulent laisser l'école pour jouer qu'au football. Or, le football, c'est vrai, aujourd'hui, avec la médiatisation de tout du sport en général, ça fait rêver. Mais combien qui réussissent? Là, je pense que vous devriez faire une émission là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus. Alors, à quand le coup d'envoi de cette édition 2021? Et puis surtout, quelles sont les villes-étapes? Les villes-étapes, cette année, on a choisi Abouasso,
Jacquesville, Abengourou, Yamoussoukro, Jacquesville, Abouasso. Il y a 6 étapes. Et puis, on fait une apothéose à la 13e ville. D'accord. Pour le lancement, pour lancer après la Coupe d'Afrique en 2023. D'accord. Voilà. Et ça commence quand? Ça va commencer en octobre. Ah non, en novembre. En novembre. Oui, le temps que les peintres et les menuisiers se mettent en place. Absolument. Voilà. D'accord, mais on n'a pas encore la date bien non, je n'ai pas encore les dates. On est en train de travailler avec ceux qui nous accompagnent. D'accord, très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez dit hein, que, justement, foot, musique, tour, vous a permis de découvrir de jeunes talents. Vous avez cité donc cet attaquant du Lys hein, de Sassandra. Ce milieu de terrain. Pardon, du Lys de Sassandra. Vous avez d'autres noms à nous proposer comme ça, de jeunes que vous avez découverts? Oui, il y en a qui ont été découverts, mais bon, après, vous savez, moi, je sens quelque chose en eux, et puis après, on les amène dans les clubs pour faire les essais. D'autres trouvent qu'ils ne sont pas assez bons par rapport à ceux qui sont là, donc mais on ne se décourage pas. Et les pales, elles sont tellement rares que, bon, on va les trouver. J'espère que cette année, je vais en trouver un autre. Mm-hmm. Mais si vous avez du talent pour détecter des futurs champions, pourquoi ne pas mettre en place une académie? Bonne question. J'avais une académie. D'accord. Mais il ne faut pas faire une académie pour faire une académie. Il faut faire une académie, il faut qu'elle participe à un championnat. Mm-hmm. S'il n'y a pas de championnat de jeunes, ça ne sert à rien de faire une académie, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi j'ai arrêté l'académie. Parce que les entraînements, c'est bien, mais on progresse, c'est dans les matchs qu'on progresse. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de championnat de jeunes. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Il n'y a pas de championnat de jeunes, mais il y a quand même quelques tournois de centres de formation. Ça suffit. Non, ça, c'est des tournois organisés entre eux. Ça, c'est pas ça qui fait progresser un joueur. C'est pas un tournoi qui fait progresser un joueur, c'est un championnat qui fait progresser un joueur. Mais justement, parce qu'il y a tout dedans. Dans le championnat, il va se frotter à d'autres jeunes, ça va être plus long, il faut être champion, mais un tournoi, bon. Mais là, vous aurez pu quand même lever un peu la voix pour demander aux dirigeants à l'époque de mettre en place un championnat de jeunes. Est-ce que vous avez fait cette demande-là? Normalement, votre statut de normalement, on n'a pas besoin de dire aux dirigeants de la fédération de faire un championnat de jeunes. Moi-même, je viens d'un championnat de jeunes. Abdoulaye Traoré vient d'un championnat de jeunes. Tous ces grands joueurs que vous avez connus en Côte d'Ivoire ont participé à un championnat de jeunes. Je ne sais pas pourquoi, depuis lors, il n'y a plus de championnat de jeunes. Je pense que c'est la question qu'il faut la poser aux dirigeants du football ivoirien, pas à moi. D'accord. Mais justement, c'est quoi la particularité de votre événement? Alors, il a cité le fait qu'il y a plusieurs joueurs qui s'adonnent à l'organisation d'événements sportifs. Est-ce que vous avez une particularité singulière? La particularité singulière, oui. C'est l'école qu'on réhabilite. Les autres, simplement. Les autres ne réhabilitent pas l'école. Ouais. C'est pas simple. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà énorme, mais c'est bon. Déjà beaucoup. Et puis après, maintenant, après, le fait de détecter aussi des talents, c'est déjà aussi une particularité. D'accord. Donc en même temps, on a envie de dire, on détecte des talents, on détecte aussi des chanteurs dans votre tournoi, dans votre événement sportif. Oui, exactement, parce que moi-même, je suis un zouglophile. Ah, ok. C'est bien. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des innovations concernant cette édition oui. par rapport aux trois précédentes? Oui, la grande innovation cette année, ça va être l'apothéose à Trècheville, parce que là, ça va être en ville. On va faire venir ces jeunes joueurs, là, on va faire une détection oui. dans toutes les villes qu'on va visiter, faire des détections pour qu'on puisse avoir deux équipes. Ça va être un peu une équipe nationale de foot musique tour qui vont jouer au stade Biafra de Trècheville. Super. J'espère, sous le parrainage de M. Amicha François, je lui lance déjà. Ben allez-y. Voilà, allez. C'est déjà il fait. Il vous regarde, allez-y. Il me regarde, donc il a pris le message et on va se parler. D'accord, voilà. Très bien. Bon, alors, dernière question, et je crois que ce sera la plus importante, hein, surtout pour ces jeunes qui doivent certainement être en train de nous suivre ce soir. Que gagne l'équipe victorieuse? Elle gagne beaucoup de choses, hein. Gagne déjà les maillots sont avec eux, gagne les cadeaux des sponsors, gagne de l'argent, un peu d'argent quand même. Mm-hmm. Voilà. Combien? Non, ça. Ça, je ne saurais vous le dire. Mais bon, je pense qu'il y a 300 000 dans la cagnotte pour l'équipe victorieuse, donc après, ils se partagent ça. Mm-hmm. Voilà. Et puis 200 000 francs pour le perdant. Pour le perdant. Voilà. Donc ça fait une cagnotte de 500 000. Bon, c'est déjà très, 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 très bien.
Et vraiment, le oui, effectivement. Puisque Ballo, hein, ça n'a pas l'air suffisant pour vous de réhabiliter si, si. Une école. Si, si, c'est et suffisant. Ben, moi, c'est suffisant, mais bon. Vraiment. Il y a plusieurs aspects aussi dans son festival. Voilà. Son festival. Ouais, son événement. Bon, d'accord, merci. Didier Otokoré, en tout cas, on vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie parce que là, ça fait plaisir que vous m'ayez invité pour lancer mon événement. Donc, c'est oui. Le merci, c'est à vous que je le donne. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on rappelle, donc, la date n'est pas encore arrêtée, voilà. Hein, mais ce sera au mois de novembre. Au mois de novembre. Voilà. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? Vous reviendrez avant pour, dès que tout est bien finalisé, bien goupillé, vous viendrez une nouvelle fois sur le plateau et puis on en reparlera avec grand plaisir. Avec plaisir. D'accord. Ouais. Allez. On va marquer la première pause hein, de la soirée. Merci beaucoup Didier Otokoré. Merci à vous d'être avec nous, d'être aussi nombreux. N'oubliez pas, après la pub, hein, on a beaucoup de choses à vous proposer. Nos deux autres invités, nous aurons Yves Tchamadeu. Il est journaliste hein, sur Canal 2 International au Cameroun. Et puis Serge Aurier, notre capi, qui sera avec nous pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, la page Facebook est à votre disposition. Et le téléphone, puisque vous pourrez le faire également hein, en direct, ou répondre à la question LGT, à savoir, après Tottenham, quelle destination pour Serge Aurier? Le numéro de téléphone, vous le connaissez par cœur, mais on le répète, c'est toujours bon. 27 21 59 93 99.